Alors, on est où? On est dans la Hague. On est parti pour une idée de départ, faire une idée de départ in situ. Donc, tout à l'heure, on a testé des chars à voile. Ça décoiffe, c'est le cas de le dire. J'ai adoré. On vous montrera les images tout de suite. Et on est au Marette, où on a pris un déjeuner délicieux. Et on va faire du trek dans la Hague. On en parle peu, mais c'est merveilleux. On revient à l'intérieur pour une petite visite de Hassenwall qui nous révèle une vue splendide sur la baie. Vous pouvez aussi vous détendre et déguster une spécialité après un petit tour de char à voile ou réserver une table avec votre société. Et pour ceux qui n'ont pas peur de se mouiller, Hassenwall c'est aussi de la planche à voile ou du surf. Comme vous voyez, on a l'embarras du choix. Il est temps maintenant de s'échauffer pour une randonnée pédestre où comment allier sport et plaisir des yeux. Une découverte de l'environnement avec comme thème sur les traces des contrebandiers. On vous rassure, tout ceci reste très légal. Donc, celle-là a pas comme texture, c'est un peu caoutchouteux, non? Ouais, puis ça bouge encore à l'intérieur. Oh là, ça s'accroche. Ah. Et qu'on la tient bien, vous voyez, je l'écrase, voilà, je me pique pas. Et vous en trouvez une belle de petite rousse. Oh, c'est joli quand même. Hein. Non, oui. C'est super joli quand même, non? Donc on a fait de là à là. On la retrouve dans l'agriculture, dans l'industrie. Donc, c'était un objectif pédagogique. Oh, la grande verte dont je parlais. C'est une bonne odeur d'algues. Forte valeur ajoutée. Une ébranche. C'est pas mal, hein. Voilà. Tu peux le regarder, mettre ma page. On a des couteaux. Ouais. Là-bas, ils ont des machettes. On les ramène toujours avec nous. Nous sommes sur la pointe de la Hague et nous sommes arrivés à l'hôtel L'Herguillère que je vous présente là. L'Herguillère, un petit 3 étoiles que nous allons tout de suite visiter, tu et moi. Et t'as de la tranquillité, une toute petite bâtisse. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est 10 chambres, pas plus. Et ça, c'est du luxe. L'espace et la tranquillité, c'est du luxe pour les hôtels. Moi, ce que j'aime bien dans ce genre d'hôtel, c'est la décoration sobre, simple, tout blanc, avec de la pierre, des peintures exposées. D'ailleurs, celle-ci, elle est assez belle. Je dirais même super belle. Bah, ça donne tout de suite envie de s'asseoir, là. De s'installer au chaud, de tester.
Donc c'est pas une piscine, hein, vous l'avez remarqué, c'est la mer, c'est une petite crique, un petit port. Quand il fait bon, vous pouvez descendre, vous détendre. Et là maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller visiter les chambres. Accrochez-vous bien. Star, là. Tu nous regardes, tu nous dis au revoir ou juste tu respires? Hier, je suis arrivé à La Hague. On est parti tester des chars à voile. Le midi, on a déjeuné dans un superbe restaurant. Je vous ai fait le récap tout à l'heure. L'après-midi, on a été faire une randonnée pédestre. On a goûté des plantes, des fleurs. On a vu des paysages merveilleux. Et ce matin, j'ai le plaisir de faire du cheval. On part à la découverte de La Hague. J'espère que vous aimerez. On y va! Nous sommes toujours dans la Hague, au château du Rosel. Nous sommes allés manger au Sauf qui pleut, délicieux, des petits poissons fumés maison à découvrir. Et nous sommes partis nous balader en bord de mer pour une petite randonnée découverte du terroir. Nous sommes justement dans le château pour découvrir du pain à l'ancienne, ou comment on pétrit du pain à l'ancienne encore. Donc là, c'est un blé de la farine bio que j'achète à la meunerie, au meunier du coin. Alors, en attendant, la récolte de cette année. Il y a des graines de lin et de tournesol dans cette pâte-là. Voilà, elle est très, très onctueuse et très humide à travailler. Mais ça change de consistance assez nettement. Là, on voit qu'elle tient beaucoup mieux. Donc je vais la laisser reposer un peu comme ça. C'est aussi l'intérêt de travailler justement avec une méthode traditionnelle comme ça, de bout en bout, aussi bien de la culture jusqu'à la réalisation du pain. Alors en bref, La Hague, qu'en retenir? Beaucoup d'activités de toutes sortes, qu'elles soient sportives ou ludiques. Du vent dans les cheveux, l'air marin et des balades pour vous apaiser l'esprit. Et plus que tout, un accueil hors du commun et des rencontres avec des gens chaleureux et intéressants. Un plein de saveurs, de senteurs et de souvenirs à ramener chez vous, avec une seule envie, le retour.